Rétrogradé en division 2, la troisième division nationale, la SGT le vit comme un moindre mal après son succès en appel devant le Comité national olympique. Pour retrouver un jour la Ligue Magnus, le club devra briller au minimum 3 ans. Et Bob Millette, qui a déjà connu pareille situation en 2005, y croit dur comme fer. C'est dur mentalement, c'est sûr que ça nous a fait de quoi, mais on ne va pas mourir pour ça. Il n'y a personne qui va tuer l'équipe ici. Hein. C'est un syndrome motif. Hein. On l'a construit, on a travaillé fort en 8 ans pour rallumer la flamme cet atout au niveau du hockey. On l'a fait et on va continuer. Et on a gagné un grand défi en gagnant contre la Fédération, qui est très rare. Aucun club y va contre la Fédération et gagne. On l'a fait. Pour l'entraîneur de la SG Tour, le hockey sur glace est aussi un spectacle créé pour des spectateurs. Et plus la patinoire sera pleine, mieux s'en portera le club. Cette année, on va faire une belle équipe, on va mettre du bon niveau, on va gagner, on va remplir la patinoire. Et on va être là, le monde va suivre. On l'a structuré, on a implanté quelque chose, il n'y a personne qui va nous l'enlever. Et je vais être ici tant pour ça, et je suis ici pour remettre les choses sportivement, toujours bien, mais financièrement, on va se remettre d'aplomb. L'équipe sera construite autour de jeunes tourangeaux et des universitaires nord-américains. Le tout encadré par des joueurs d'expérience. L'entraîneur-manager compte sur la jeunesse pour donner un nouveau visage du hockey tourangeau. On dit qu'il n'y a pas de relève, que rien, que les jeunes ne sont pas motivés. Nous, on a poigné 4 joueurs, 4 jeunes, des jeunes comme Pico, Xavier, des jeunes comme Colombel, des jeunes comme Lamotte. 4 jeunes qu'on s'est pris pendant 4 mois sur un programme et ces jeunes-là ont pris 8 à 10 kilos de muscle. Rendu à 80, ils ont montré qu'ils étaient motivés. Maintenant, la glace arrive, on va les développer. Trublion mal aimé du hockey français, la SGT veut remonter les échelons jusqu'à l'élite. Et Bob Millette conservait son statut de gourou.